Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous écoutez Parole de paix sur Radio Carême Nancy 90.7, mais peut-être aussi par internet sur le site rcn-radio.org. Et puis bientôt plus tard en podcast et sur la chaîne YouTube, car RCN, c'est un rayon d'action assez important qui se développe avec nos émissions comme nous aujourd'hui, Parole de paix. Parole de paix, c'est diffusé les vendredis de 17h à 18h et c'est rediffusé le dimanche de 18h à 19h ainsi que le mardi suivant de 6h du matin à 7h du matin. Donc bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour à nous autour du micro. Parole de paix, c'est une émission proposée par plusieurs organisations nancéennes, qui est c'est un magazine humaniste d'information, d'analyse, de discussion et notre collectif. Échange autour des conditions nécessaires à la paix, mais aussi sur les conflits, les guerres, leur préparation. Donc chacun est invité à se reporter à différentes émissions ou connaît déjà l'émission. Aujourd'hui, nous sommes avec Alain. Bonjour Alain. Bonjour. Grudji, Alain, président de l'AFPS Lorraine Sud. Oui, c'est ça. Voilà, c'est ça, exactement. Avec Grudji également. Bonjour Stéphane. Tu Grudji pour le mouvement de l'obligation de conscience. Tout à fait. Ainsi que moi-même, Stéphane, qui suis aussi au MOC Nancy. Comme d'habitude, je vous propose qu'on commence directement sur les chapeaux de roue avec quelques brèves. Alain, tu as des infos qui viennent... Oui. D'abord, on n'est pas très loin du Luxembourg. On n'est pas toujours en admiration devant ce qui s'y passe. Mais là, j'aurais donné un petit écho parce que le ministre des Affaires étrangères du Luxembourg vient de demander à l'Europe, à l'Union européenne, de prendre en considération la reconnaissance de la Palestine en tant qu'État. Oh. Et donc de mettre rapidement ce sujet à l'ordre du jour d'un prochain Conseil des affaires étrangères de l'Union européenne. On rêve, hein. C'est le Luxembourg qui prend cette initiative. Nous, on aurait bien aimé à la FPS que ce soit le ministre français. Mais là, il y a encore du chemin à faire. Et justement, la question qui nous est posée, c'est que ses homologues au ministre luxembourgeois, que ses homologues européens acceptent de mettre ce sujet à l'ordre du jour des débats de l'Union européenne, au moins un Conseil des affaires étrangères. Voilà. Alors, est-ce que la FPS va un peu pousser pour proposer des actions pour... Bien sûr, ça fait partie des revendications que nous avons, de mettre la pression sur l'État français pour que la France et l'Europe jouent un rôle pour la reconnaissance de l'État palestinien et le droit des Palestiniens de pouvoir vivre en paix. Et ce serait peut-être bien que ce soit traité rapidement, parce que parfois aussi il y a des sujets qui sont lancés et puis après le temps de les mettre en place, parfois c'est excessivement long. Tout à fait. Alors c'est justement, j'avais une deuxième brève sur un sujet un peu long. C'est que aujourd'hui, il y a près de 200 organisations à l'appel d'une organisation néerlandaise qui s'appelle Rights Forum, dont la FPS, qui ont signé une lettre à la présidente de la CPI, Madame Fatou Bensouda. Procureur donc de la Cour pénale internationale, pour qu'après 5 ans, et on y vient donc sur les choses qui prennent du temps et qui n'aboutissent pas, pour qu'après 5 ans d'enquête préliminaire, elle ouvre, cette présidente, sans délai, une enquête officielle à grande échelle sur la situation en Palestine, puisqu'elle a été interpellée depuis tout ce temps. Il y a 5 ans. La situation sur les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité commis dans les territoires palestiniens. Alors, ces 200 associations lui disent, ça fait 5 ans qu'on est en étude préliminaire et vous n'êtes toujours pas parvenu à une conclusion. C'est un retard inexplicable et scandaleux, quoi. Donc voilà, on espère que du coup, ça va faire bouger la Cour pénale internationale. Ah bah, très bien. Il faut qu'on
toujours suivre ces questions-là avec intérêt et être vraiment proche. Il ne faut pas les laisser tranquilles parce que sinon les sujets ne passent pas. Moi, j'avais une brève. Donc en décembre 2019, on est quand même une période de forte contestation sociale. Vous l'avez pu le remarquer, des manifestations importantes. Et j'ai lu un article de Bernard Girard sur son blog de Mediapart qui trouve qu'il y a un angle mort de la contestation sociale, c'est la question des dépenses militaires. Comment se fait-il que dans cette période où la question de la place du financement des services publics dans leur ensemble, cette question-là est totalement, un peu, même plus qu'un peu, est totalement oubliée. Il rappelle qu'en 2020, comme les années précédentes, le budget militaire ne connaît ni la crise, ni les obligations imposées aux civils. Avec une hausse de 4,5%, il atteint 37,5 milliards d'euros. La loi de programmation militaire, la LPM de juin 2018, fait bénéficier le budget de la défense d'une hausse de 1,7 milliard d'euros par an jusqu'en 2022, puis de 3 milliards par an en plus à partir de 2023. Au total, ces 6 années de cette loi de programmation auront englouti 300 milliards d'euros. Il n'y a pas de problème de financement. Donc 37 milliards pour la bombe atomique. Ce n'est pas comme pour les retraites. Voilà. Et il dit que c'est un choix politique que fait la France. Et ça fait de la France le pays d'Europe qui dépense le plus pour son armée. Mais un choix politique jamais remis en cause, ni par les partis politiques, qui souvent même trouvent le moyen de surenchérir, ni par les organisations professionnelles. Donc ça pose un peu question. Donc il n'est pas nécessaire d'être un savant économiste pour savoir que avec une richesse donnée, ce qui est accordé d'un côté, c'est pris de l'autre. Et donc les 300 milliards d'euros pour la loi de programmation militaire sont autant de milliards dont seront privés les services publics, l'éducation, la santé, etc. etc. Et donc voilà, donc ça interpelle et il faut interpeller un petit peu les partis politiques, les syndicats. Comment ça se fait que cette question soit une question taboue sur laquelle accepter voilà, une opinion publique qui semble s'en accommoder, dans une complaisance déconcertante. Voilà un sujet que ou qui ne connaît pas complètement le sujet pour l'opinion publique, parce qu'on en parle peu. Voilà, ouais, mais pourquoi on en parle peu ? On ne peut pas parler dans les médias, oui, bien sûr. Voilà, c'était une brève. Monsieur Yves, avez-vous une brève ? Bonjour, messieurs, dames. Ça va ? Ouais, très bien. Vous m'entendez, là ? Oui, très bien. Oui, alors, donc... je vous engage vivement à taper avec vos petits doigts boudinés pour aller sur le site de l'UJFP, parce qu'il y a beaucoup de choses sur le site. En particulier, je relève un document là qui est assez interrogant. Lutte contre l'antisémitisme, en colère, le média israélien Haaretz déclare la guerre à la France. Voilà, un édito du média israélien Haaretz critique sévèrement la proposition de résolution prise par le Parlement français ce 3 décembre qui consiste à assimiler antisionisme à antisémitisme. Le média juif dénonce une supercherie dont le but consiste à criminaliser toute critique envers la politique d'occupation ou de colonisation juive en terre palestinienne. Un journal israélien qui dit ça, donc voilà. Ah oui. Alors, j'espère qu'on ne va pas dire qu'ils sont antisémites. Alors, je ne vais pas vous lire tout l'article, vous pourrez le lire avec vos petits yeux, voilà. Pour rappeler peut-être à nos auditeurs, Yves, qu'on a tenu une émission sur ce sujet, au lendemain du vote de la résolution, et donc ils peuvent retrouver l'émission en podcast. Judicieuse initiative, effectivement, vous allez... sur le site de l'émission Parole de paix, c'est RCN90.7. Non, le site c'est rcn-radio.org et dedans on arrive sur le beau site de RCN qui est vraiment bien fait. Puis après, il faut aller dans les émissions et chaque émission a sa rubrique. Et effectivement, Yves, il y a une rubrique Parole de paix. Voilà, pour les c'est ça. C'est très bien. C'est ce que je viens de dire. Voilà. Non, mais c'est bien. Donc, il y a d'autres choses. On va rester bref. On parle d'un... Ça aussi, ça décoiffe. Je suis humain. C'est le cri de ralliement du 5e festival de cinéma Tapis Rouge pour les droits de l'homme, destiné à rappeler au monde que depuis 13 ans, les habitants de la bande de Gaza sont soumis à un blocus tel qu'il leur interdit tout accès au cinéma.
Il n'y a plus de salles à Gaza et les deux tiers de la population ne sont jamais allés au cinéma. Voilà. Alors, hein, Monsieur Ramadan, membre du comité d'organisation depuis le premier festival Tapis Rouge en 2015, est interviewé par l'IAD et nous explique ce qu'est le festival de cinéma sans cinéma. Voilà, c'est original. Un an après les bombardements de l'été 2014, les organisateurs du premier festival ont eu l'idée d'offrir aux habitants de Gaza un tapis rouge dans une rue bordée de ruines menant au cinéma en plein air, puisque tout avait été détruit autour. Avec cette symbolique réservée aux princes de ce monde, ils voulaient leur signifier qu'ils sont tout aussi importants qu'eux. Voilà, depuis le premier festival, Tapis Rouge fait partie du réseau de Human Rights Film Network, qui rassemble 41 membres représentant une quarantaine de pays différents. Voilà, important pour ne pas oublier les bombardements de l'offensive appelée Tsahal, Partsal, Mitzvah Izouk Etan, voilà, c'est-à-dire opération roc inébranlable. Ils doivent être un peu torturés, les mecs, hein, quand même. Ils trouvent toujours des noms. Ouais, mais ont duré 50 jours. Les bombardements de l'offensive ont duré 50 jours, faisant plus de 2300 morts et plus de 10600 blessés. Je rappelle que les morts, ils sont forcément civils puisqu'il n'y a pas d'armée palestinienne. Voilà, le nom hébreu, référence biblique, a été jugé trop agressif par les services de relations publiques de l'armée, a en conséquence été traduit par opération bordure protectrice et repris en cœur par tous les médias. Il faudra quand même un jour qu'on se demande pourquoi on a toléré tout ça. Voilà. On peut dire qu'il n'y a pas d'armée palestinienne, mais il y a quand même des combattants qui sont armés. Ouais. Oui, ils n'ont que des armes légères. Hein. Il n'y a pas, oui, par exemple, mais... il y a, c'est pas forcément asymétrique, il n'y a pas de canon, il n'y a pas de mitrailleuse. C'est pas non plus... C'est plus qu'asymétrique. Oui. Tu as d'un côté une armée qui doit être la dixième du monde, je crois, la dixième puissance de feu du monde, ou neuvième puissance de feu du monde pour un pays de 7 500 000 habitants, ça mérite d'être souligné. Et de l'autre, un pays qui n'a pas d'État, qui n'a évidemment pas d'armée, qui n'a pas d'armement lourd, qui n'a absolument rien à opposer à ces salopards que des fusils. Quand ils en ont, il n'y en a pas beaucoup. Et donc, on peut dire que ce sont des gens qui sont complètement désarmés. Ils ont tout essayé, hein. Ils ont tout essayé, parce qu'ils ont essayé les armes, effectivement. Il y en a qui continuent. Une petite partie, peut-être logiquement, quoi, hein, en se disant qu'on ne peut pas faire autrement. Mais ils ont essayé les pierres. Ils ont essayé la non-violence. La non-violence Ils prennent ce qui est à leur portée. Mais ils meurent toujours autant. Oui. Oui. Ouais. 2300 morts. Ouais. Bah, ce que vient de dire Yves, là, comment ça se fait qu'on accepte ça? Ça va être le sujet qu'on va aborder dans l'émission avec une historienne à partir du. Quand on commencera le dossier avec Anne Morelli, qui est historienne et qui a travaillé sur la question de qu'est-ce qui fait qu'on accepte des guerres qui sont inacceptables. Donc, très bien. On verra bonne ça question. Est-ce que tu as encore des choses vis-à-vis de... Non, mais sur le site, il y a beaucoup de choses. Il y a en particulier, on parle de la projection, il y a eu une projection débat à Marseille du film Le Char et l'Olivier. Oui, on en a parlé. Alors aussi, ça, on l'a déjà dit, on le répète et on le répétera encore. Un il faut absolument aller voir Le Char et l'Olivier. Je ne sais pas s'il est sur YouTube maintenant, je ne sais pas. Je ne crois pas encore, non. Non, parce qu'il est toujours en salle. Oui, il est en salle. Il est toujours en salle. Donc, voilà. Précipitez-vous, il faut aller voir ce film. Il est vraiment pédagogique. Un beau succès d'ailleurs, hein. Ouais. Il a connu un beau succès, oui, hein. Quand même. Pour un film documentaire, c'est... nombre d'entrées très important. Pédagogiquement, c'est ouais. Extrêmement important, voilà. Bon, bah, c'est tout. Ouais. Yves, on disait, on avait aussi pensé qu'à partir de janvier, on irait directement rediscuter avec des gens de l'UJFP ou de l'UFJ, on aurait essayé de mettre ça, alors, ça en place. Donc, mais pour début 2020. Oui, par définition, parce que je ne sais plus. L'année se termine aujourd'hui. Mais on est le 20 décembre. Voilà, on a passé mi-décembre. Donc, oui, je vais proposer à UJFP, UAVJ de les faire parler. Je pense à tour de rôle. Il faut que je voie avec les techniciens si on peut le faire ensemble. Mais à mon avis, je ne pense pas. Donc, on les ferait parler à tour de rôle qui présentent leur émission, un peu comme on avait fait avec France-Syrie Entraide et Diwan en Lorraine la dernière fois. Voilà. La prochaine fois, tu veux dire. La semaine prochaine, on les Diwan en Lorraine et
c'est la semaine prochaine qu'on les aura. je propose... Oui. C'est si... moins c'est qu'on avance, c'est plus que c'est qu'on pédale. Voilà, c'est un peu ça. Si on a fait le tour un peu des brèves, je vous propose qu'on fasse notre première pause musicale avec Kenny Arcana. L'histoire se répète, et justement parce qu'on va aborder une discussion autour de la propagande de guerre, et donc... le fait que ce soit relativement récurrent, que les principes qui sont utilisés reviennent très régulièrement. Kenny Arcana. On a dit non à la guerre, personne n'écoute, personne n'entend. Avant tout enfant de la terre, les frontières ne sont qu'illusions. Une seule et même planète, une humanité aux mille facettes, une humanité aux mille couleurs, une humanité qui meurt dans sa chair. On a dit non à la guerre, non à la famine, non à la peur de l'autre, non à obéir à la hiérarchie lorsqu'elle prononce des paroles de mort. Du sud au nord, qu'est-ce qu'on honore, quelles sont les valeurs? L'autre est ton miroir, frapper son reflet, c'est se frapper soi-même, il brisait ses plus de 7 ans de malheur, et l'histoire se répète. Et l'histoire se répète. Et l'histoire se répète. Et l'histoire se répète. On a dit non à la guerre, à la guerre, à la guerre. On a dit non. On a dit non à la guerre, à la guerre, à la guerre. On a dit non. Non à la guerre, non à la spirale meurtrière. C'est toujours les civils qui payent, et toujours les mêmes erreurs qu'hier. Dis-moi qui a son cœur est fidèle, et je te dirai qui pense par lui-même. À l'ombre d'une querelle millénaire, il ne tient qu'à nous pour rejoindre la lumière. On a dit non à la mort de l'autre, non à la haine, non au rapport de force. Non aux troupes armées d'une vengeance à vivre, dites des terroristes qui leur vend leurs drogues, qui leur vend leurs armes. C'est bien plus rentable tirer des engins que de faire la paix, trouver des ennemis. L'innocent meurtri, il deviendra demain. Et l'histoire se répète. Et l'histoire se répète. Et l'histoire se répète. Et l'histoire se répète. On a dit non à la guerre, à la guerre, à la guerre. On a dit non. On a dit non à la guerre, non à la perte humaine que vous dites collatérale, non à l'exploitation de la misère qui pousse à traiter les hommes comme des rats. La tête sous l'eau avant de voir le danger, on le perçoit à la forme des vagues. On ne résout rien à exprimer des pulsions à la force des flammes. On a dit non à la guerre depuis qu'on a l'âge de comprendre. Part en prison pour une bagarre quand ton pays ne parle que de vengeance, de l'art d'être impitoyable. Légitimise ses attaques avec des tas de palabres qui n'ont rien de vrai quand les bombes éclatent. Et l'histoire se répète. Et l'histoire se répète. Et l'histoire se répète. Et l'histoire se répète. On a dit non à la guerre, à la guerre, à la guerre. On a dit non. On a dit non à la guerre, à la guerre, à la guerre. On a dit non. On a dit non à la guerre, à la guerre, à la guerre. On a dit non. On a dit non à la guerre, à la guerre, à la guerre. On a dit non. On a dit non à la guerre, à la guerre, à la guerre. On a dit non. L'histoire se répète de Kenny Arcana sur Radio Caraïbes Nancy dans l'émission Parole de paix qui est diffusée tous les vendredis de 17h à 18h. Et on a passé ce morceau parce que justement nous avons comme invité une historienne. Une historienne universitaire belge, Anne Morelli, qui est avec nous. Anne Morelli, vous êtes
avec nous là ? Oui, je vous entends parfaitement. Bon, bonjour, c'est la ligne est vraiment très bonne. Donc vous êtes en Belgique, vous êtes historienne, professeure honoraire à l'Université libre de Belgique et vous enseignez... À Bruxelles. L'ULB, c'est Université libre de Bruxelles. Oui. Et vous enseignez entre autres la critique historique. Et vous avez commis en 2001 un ouvrage qui s'appelle « Principes élémentaires de propagande de guerre ». C'était comment le sous-titre à utiliser Utilisable en cas de guerre froide, chaude ou tiède. Voilà. Et donc, le MOC, on vous connaît bien parce que vous étiez venu à Nancy en novembre 2014. Ça fait 5 ans maintenant. On vous avait invité pour faire une conférence autour du 11 novembre. Et ce travail là nous intéresse vraiment vivement et on a envie et besoin de que ça soit diffusé. Qu'est-ce que c'est que ce travail? Quel est ce travail là? Quel est autour de cette question de la propagande de guerre? Qu'est-ce que vous avez fait? Le petit livre dont vous parliez, qui a eu une première édition effectivement en 2001 et puis qui a été mis à jour au cours de diverses éditions. Il était destiné à l'origine à mes étudiants. J'avais 1300 étudiants dans un grand auditoire chaque semaine et je voulais les sensibiliser à cette question de la propagande de guerre. Et donc j'ai essayé de mettre en musique, si vous voulez, cette propagande autour de 10 principes. Alors pourquoi 10? J'aurais pu en mettre 8 ou 13, mais Dieu avant moi, ça avait bien marché quand il avait fait 10 commandements. Et donc, je me suis permise d'organiser la propagande en 10 principes élémentaires de propagande de guerre, en reprenant chaque fois leur utilisation depuis la Première Guerre mondiale, et en continuant jusqu'à notre époque, si possible. Donc, dans la dernière édition, il y a par exemple un discours de Netanyahou, il y a un discours d'Obama, qui reprennent exactement les mêmes processus de rhétorique. Oui, c'est ça. Vous avez remarqué qu'il y a des invariants pour toute guerre, en tout cas depuis la Première Guerre mondiale jusqu'à toutes celles qu'on fait aujourd'hui, des invariants, toujours les mêmes types de procédés qui sont utilisés. Là aussi, on va les détailler, on va les regarder un par un, sans jugement, mais vous dites que chaque camp met en marche son peuple ou sa population, cherche son adhésion par les mêmes procédés. Et des fois, on trouve des deux côtés, presque mot à mot, les mêmes choses qui sont dites. Exactement. C'est-à-dire qu'il faut utiliser les sentiments de la population pour la faire adhérer à une guerre qui, en principe, ne l'intéresse pas forcément. Et donc, le premier principe, c'est de se présenter comme des pacifistes. On voit ça dans les guerres anciennes, mais aussi dans les guerres récentes. Il faut toujours dire, oui, nous, nous aimons la paix, nous voulons la paix. Mais c'est l'autre qui n'en veut pas, c'est l'autre qui nous oblige à passer par la solution violente. Et donc, ça nous donne, si vous voulez, un sentiment de justice. Oui, c'est pas que nous, on veut faire la guerre, mais on est quand même bien obligé de se défendre quand on nous attaque. Et donc, tout spontanément, le deuxième principe, c'est que toute la faute de la guerre repose sur l'autre. Nous sommes des doux, des pacifiques, mais eux, ce sont des violents, des bellicistes. Et on va voir dans la propagande, lorsqu'elle est illustrée, ces images très fortes. L'autre, c'est une pieuvre qui nous encercle. Ils essaient de nous obliger à nous défendre, etc. Et donc, ce sont là déjà des principes très basiques, mais qui marchent toujours. Mais c'est vrai que c'est... Moi, je pense que c'est assez difficile à s'imaginer
Parce que on est forcément chacun on est dans un lieu et bah, par exemple si on reprend la guerre de 14-18, nous on a notre imagerie côté français, mais ce qu'on n'imagine pas c'est que côté allemand ils avaient exactement la exactement même chose. La même c'était chose le c'est que un miroir. Kaiser, par exemple, c'est ça, c'est ce qu'elle explique. Ouais. Il est un homme de paix, mais ouais. Même Hitler. Oui, oui. Hitler dit aussi, moi je veux éviter. Le recours à la guerre, parce que je sais ce que c'est, j'ai fait la Première Guerre mondiale et je ne veux pas imposer ça à mon peuple. Donc, dans chaque conflit, en fait, on reprend ces mêmes arguments. Et si vous voyez l'invasion récente du nord de la Syrie par Erdogan, ouais. Il a aussi employé ce même vocabulaire. Si pour se défendre des Kurdes. C'est ce que lui écrit. Ben, ouais. C'est une opération de paix qu'il a faite pour des raisons humanitaires. Dans un camp, on est un des pacifistes. L'autre, c'est le seul qui est responsable de la guerre. Et quel est le troisième principe ? Eh bien, le troisième principe, c'est qu'il faut démoniser l'ennemi. Mais pas les ennemis en général. Si possible, on doit cristalliser la haine sur un personnage. Et donc on voit que dans toute l'histoire du XXe siècle, et maintenant du XXIe siècle, on cristallise la haine de la population sur un personnage comme le Kaiser pendant la Première Guerre mondiale, ou plus récemment sur Ben Laden, Saddam Hussein, Kadhafi ou peut-être Assad tout récemment. Et en fait, c'est parce que nous ne pouvons pas haïr tout un peuple. Si on me dit demain qu'on va bombarder les Afghans, je me dis tout de suite qu'il doit y avoir des enseignants comme moi, et puis il doit y avoir des infirmières et des étudiants. Ça n'entraîne pas forcément notre adhésion. Tandis que si on nous dit on va aller battre ce monstrueux Ben Laden ou bien ce monstrueux Kadhafi, eh bien là, naturellement, la population va adhérer parce que on lui renvoie une image extrêmement négative. Et on pourrait dire qu'aujourd'hui, ce serait par exemple Poutine. Alors, je n'ai pas de sympathie pour Poutine, mais je vois que dans la presse, il est présenté comme l'ennemi numéro un. Alors que, il doit y avoir bien d'autres gens dans le monde qui font des actions aussi malfaisantes que les siennes. Et en plus, Trump, ça donne. Par exemple. Trump, oui. En plus, ça donne l'impression qu'effectivement, il n'y aurait qu'une seule victime. Oui. Il suffirait de liquider Kadhafi. Alors, on va le faire par des moyens qui vont forcément avoir bien d'autres conséquences. Mais que ce soit Kadhafi, Poutine, il n'y en a qu'un seul qui est vilain, qui pose problème. On invisibilise toutes les autres victimes et toutes les autres conséquences. Exactement. On invisibilise les autres. Et donc, si on reprend la Première Guerre mondiale, la propagande voudrait que si on arrive à mettre hors d'état de nuire le Kaiser, nous reviendrons à l'état de bonheur qui était le nôtre avant la guerre. Alors, il y a parfois des monstres qui sont très intéressants, je dirais même amusants, parce que ce sont des monstres par intérim. Le Kaiser, par exemple, avant la Première Guerre mondiale, c'est quelqu'un de tout à fait fréquentable. En tout cas, en Belgique, notre famille royale fait des pique-niques avec lui dans les dunes près de la mer. Ce sont d'ailleurs des parents, tous ces gens. Et puis, il est le monstre par excellence. Et puis, après la Première Guerre mondiale, quand les Alliés ont gagné, ils auraient pu très bien prendre le Kaiser, faire son procès, etc. Mais pas du tout. On le laisse partir vers un exil, et un exil très lointain et très pénible. En fait, il va se déplacer vers les Pays-Bas et il sera suivi d'innombrables wagons avec ses porcelaines, ses argenteries et ses nappes en dentelle. Et donc, à ce moment-là, on considère que, tout compte fait, c'était pas très grave le rôle qu'il a eu. On le laisse partir parce que, tout compte fait, c'est le cousin de la reine Victoria et de notre roi Albert, etc. Donc, un monstre peut être un monstre par intérim. Et on l'a bien vu avec Kadhafi. Avec Kadhafi, oui, tout Kadhafi à fait. Kadhafi est le chef du terrorisme. Oui, il a moins bien fini que le Kaiser, mais... Et puis, il devient un interlocuteur valable qui met sa tente dans les jardins de l'Élysée. Peut-être qu'il était arrivé avec quelques cadeaux pour le président français, mais ça, c'est autre chose. Et après,
voilà qu'il redevient un monstre et qu'on l'abat vraiment de manière horrible. Mmh. Ah, oui. On l'assassine. On l'assassine, oui. Bien sûr, bien sûr. Et on accepte. Ouais, en fait, il faut toujours mettre mais ça oui, en relation. Mais oui, parce qu'on nous a tellement bien préparé à ça que ce n'est plus que la mort d'un chien. Ah, ouais. On déshumanise l'ennemi. D'ailleurs, il y a souvent des parallèles qui sont faits avec des animaux. Et donc, si vous écrasez une mouche, bon, vous n'avez pas d'air mort pendant des mois. Hein. Et puis nous le faisons pour une cause noble. Voilà. Ah voilà. Le quatrième principe, c'est que, en fait, il ne faut pas parler des vraies causes des guerres. Les vraies causes des guerres, elles sont toujours les mêmes. C'est soit l'économie. Bon, pourquoi est-ce qu'on on essaie d'avoir la Lorraine d'un côté comme de l'autre de la frontière? Mais parce que la Lorraine sidérurgique, c'est une puissance industrielle. À cette époque. Donc les raisons là sont extrêmement vivantes, très très faciles à comprendre. C'est les raisons économiques. À un autre moment, ce sera le pétrole ou ce seront les colonies qu'on essaie d'arracher à l'autre. Donc ça, ce sont les vraies raisons des guerres, de même que la géostratégie. L'OTAN n'a pas de base en Yougoslavie. Eh bien, ils veulent mettre des bases en Yougoslavie et après la guerre, ce sera le cas. Donc ça, ce seront les vraies causes des guerres économiques ou géostratégiques, mais il ne faut jamais en parler. Ce qu'il faut dire, c'est que nous combattons pour la justice, pour le droit, pour la démocratie. Et parfois, c'est très très curieux, parce que par exemple, pour la Première Guerre mondiale, on luttait pour la démocratie avec le tsar de Russie, de notre côté. Et puis, contre Saddam Hussein, nous avons lutté contre Saddam Hussein avec les pires régimes autocrates du Golfe, avec le Koweït, par exemple. Et ça, c'était des pays démocratiques qui luttaient à nos côtés. Donc, il faut toujours montrer que nous sommes du côté de ces belles causes, et il ne faut surtout pas parler des vraies causes qui, elles, n'ont rien de très reluisant. Oui. C'est vrai que le Koweït a beaucoup de pétrole. Hein. Ah ben voilà, là, ça les excuse de beaucoup de choses. C'est vrai. On vit encore ça aujourd'hui avec ce qui se passe au Yémen. Ah oui, nous ne sommes pas du tout intéressés là, à les porter la démocratie. Hein. Non. On se contente de faire des affaires. Oui. Notamment le commerce des armes. Notamment, oui, bien sûr. Oui, et puis la France est aussi a des grosses opérations en Afrique pour combattre le terrorisme. Pas, ah voilà, pas pour l'uranium, pas pour l'uranium. Mali, par exemple. Ce concept, c'est que nous battons contre le terrorisme. Oui, ça c'est le nouveau. Ouais, qu'est-ce que c'est le terrorisme? Selon les moments, ça peut être nos résistants, qui sont considérés comme des terroristes par les Allemands, ou ce peuvent être les combattants d'Afrique du Sud qui voulaient l'émancipation de leur pays et on les considérait aussi comme des terroristes. Donc c'est un terme injurieux qu'on applique à nos ennemis, disons. Les Palestiniens, par exemple. Ah, les Palestiniens, selon le camp dans lequel vous êtes, ils peuvent apparaître comme des combattants de la liberté ou comme des terroristes, bien entendu. Ouais. Oui. Et il faut ancrer ça dans les cerveaux des populations y ait un travail de fond. Nous buvons ça comme du petit lait dans les médias, puisque sans arrêt, on va utiliser ces mots pour désigner nos ennemis. Mmh. Et donc, on trouvera tout à fait normal qu'on aille rétablir l'ordre, ramener la paix. Ce sont des termes qui reviennent tellement souvent qu'on finit par les avaler comme on avale la publicité. Défendre la civilisation. À savoir quel est le meilleur détergent, mais je sais qu'il y a un détergent vert qui lave plus d'assiettes que les autres parce que, de gré ou de force, je le vois sur les murs des villes. Mmh.
Oui, c'est la même dynamique psychologique, c'est-à-dire on sait très bien au fond de nous-mêmes que c'est faux, mais c'est le message courant et c'est donc passé dans les mœurs, c'est comme ça, on l'accepte. C'est le message courant et puis ça nous flatte puisque nous sommes des gentils. Hein. Nous sommes des bon gens côté. Avec des idéaux tout à fait louables, tandis que si on disait ben, on va aller attaquer ce pays parce qu'il a des champs de pétrole magnifiques, je ne sais pas s'il y aurait le même enthousiasme. Oui, c'est vrai. Est-ce qu'on passe au cinquième principe? Alors, le cinquième principe, c'est dans la même lignée, c'est les monstres. Ouais, et là, on parle des monstruosités que font les ennemis. Nous sommes des anges. Il faut partir de l'idée que dans toutes les guerres, il y a des horreurs. Il n'y a pas de guerre propre, il n'y a pas de combattant qui n'ait pas les mains sales. Et donc, ça, c'est une donnée. Mais dans la propagande, ce qu'on va montrer, c'est que c'est les atrocités, c'est les ennemis qui les font, tandis que nous, tout au plus, on peut faire une bavure, mais c'est tout à fait involontaire. Et donc, il va y avoir ce « eux » et « nous » sans arrêt. On va montrer que l'ennemi massacre les enfants, viole les femmes, s'attaque aux vieillards, brûle les écoles, les églises, etc. Mais jamais on ne va faire le parallèle avec ce que nous faisons, et qui évidemment est extrêmement semblable. Est-ce que dans les manuels d'histoire d'aujourd'hui, on parle de Nagasaki, d'Hiroshima, du bombardement de Dresde? Ce sont des monstruosités qui ont tué surtout des civils, mais on ne va pas en parler. Nos soldats sont présentés comme étant des soldats humanitaires. Alors, nous faisons pour l'instant circuler une exposition sur la propagande de guerre, et on voit bien ces images aussi bien allemandes que de notre côté, qui montrent les soldats avec des enfants sur les genoux, qui leur font manger leur panade, qui donnent des tartines aux bébés, des choses comme ça. Mais c'est l'image d'un soldat humanitaire qui serait, moi je dis un soldat babysitter. C'est-à-dire qu'il court dans le monde avec des biberons tièdes et des sacs de Pampers en essayant de trouver des enfants, des bébés qui aient besoin de leurs soins. C'est pas ça, naturellement, la guerre. Mais on fait semblant que nous, nos soldats, ils vont à l'aide de la population civile. Et pour aider les populations encore plus à adhérer, on n'hésite pas non plus à inventer des monstruosités. Ah bien sûr, on invente des monstruosités chez les autres. À la guerre de 14, soi-disant, les Allemands avaient coupé les bras, les mains de tous les bébés belges. Et heureusement, je peux vous dire que j'ai connu des vieilles personnes qui avaient passé par cette époque et qui avaient bien deux mains. Et puis, plus récemment, il y a eu les bobards de guerre contre l'Irak, où on prétendait que les soldats irakiens avaient jeté sur le sol glacé des hôpitaux du Koweït les bébés hors de leurs couveuses, les petits prématurés. Et ce sont des bobards qui se sont avérés des mensonges absolus. Mais on peut dire plus tard que ce sont des mensonges quand ça n'intéresse plus personne, quand c'est devenu... Un vieux sujet d'histoire et qu'il n'y a plus de conséquences politiques à en attendre. Alain ? On a même un homme politique de gauche qui récemment a inventé le terme d'ingérence humanitaire. Hein, oui. Alors l'ingérence humanitaire, c'est beau. C'est naturellement un mot tout à fait, une expression tout à fait curieuse, puisque l'ingérence, c'est une violence, mais ce serait une violence pour apporter le bien-être aux gens. Et oui, parce que c'était pour combattre le mal, encore une fois. La propagande tourne autour de ça. Sinon, nos troupes sont en Afghanistan, c'est parce que les femmes afghanes rêvaient de mettre des mini-jupes. Si nos troupes sont présentes en Syrie, c'est pour y sauver la démocratie. Donc, c'est toujours pour apporter le bien-être de la population. Et naturellement, c'est un énorme mensonge. Oui,
Vas-y. On se souvient surtout du mensonge historique aux Nations Unies du secrétaire d'État américain. On va y venir. C'est notre principe. Ah bon, d'accord. Oui, alors c'est un autre principe. Bon, on peut en parler maintenant. Excusez-moi, je suis toujours en avance. Hein. C'est un autre principe qui voudrait que nous, on fait la guerre dans les règles, tandis que les autres, ils font la guerre d'une manière illégale. Mmh. Je pense que ça répond aussi à une psychologie élémentaire quand vous étiez petit et qu'on vous surprenait à tirer les cheveux de votre petit camarade, vous disiez « oui, mais lui, il m'a tapé avec sa latte », ce qui était quelque chose de plus grave que de lui tirer les cheveux. Donc on doit toujours trouver chez l'autre un dévoiement des règles de la guerre. Et je pense que lorsque les premiers chevaliers en armure complète sont arrivés devant les flèches de leurs ennemis, les ennemis ont dit « ça c'est pas du jeu, ça c'est plus de la guerre honnête ». Et aujourd'hui c'est la même chose, on fait semblant que nous faisons la guerre comme des chevaliers, tandis que les autres, ils utilisent des armes illégales. Alors, ce sera une fois les gaz asphyxiants, une fois les sous-marins. Les frappes chirurgicales. La scène que vous évoquez, Colin Powell assure que les Irakiens ont des armes de destruction massive et il agite une petite fiole. C'est d'ailleurs la piste de notre exposition. C'est quand même un scandale. Il faut dire que quand il a fait cette déclaration à l'ONU, il n'y a personne qui lui a dit « est-ce que je peux prendre cette fiole et la faire analyser ?» Je ne sais pas s'il y avait du yaourt dedans ou si c'était son whisky. Mais en tout cas, nous sommes aujourd'hui 16 ans, 17 ans après ces événements et on n'a toujours pas trouvé ces fameuses armes de destruction massive. Donc c'était un mensonge éhonté pour faire croire qu'il y avait là un danger, eux, ils avaient des armes que nous ne pourrions pas maîtriser. Mmh. Et donc, c'est un grand classique, évidemment, de faire croire que nos ennemis ne se battent pas selon les lois de la guerre. Mmh. Ça, c'était le principe 6, le sixième principe. Oui. Et alors, un autre principe qui marche aussi souvent, c'est que... On a le dessus, on va gagner, on a très peu de pertes, l'ennemi, lui, en prend plein, on est tout proche de la victoire parce que nous, on perd personne, presque, alors que l'ennemi, lui, il subit des pertes énormes. Oui, c'est important que la population croit que tout va bien pour nous. Alors, si on a fait quelques prisonniers, on va aller les promener pour que la population les voie. On va dissimuler soigneusement les cercueils de nos propres morts. Et dans des documents tout récemment exhumés aux États-Unis, on voit bien que c'est une préoccupation du gouvernement américain de cacher que, à son public que ça va mal en Afghanistan et qu'il n'y a pas d'espoir de gagner cette guerre. Ils le savent depuis longtemps, mais c'est difficile à avouer, sauf quand, comme en Vietnam, c'était tellement manifeste et que les cercueils rentraient nombreux aux États-Unis. Mais sinon, jusqu'au dernier moment, il faut faire croire que la victoire est proche. Et là, on a des exemples historiques magnifiques parce que dans l'exposition, on montre par exemple une d'un journal belge en 1914. L'armée belge est ratatinée par l'armée allemande, mais le journal titre « Nouvelle victoire de l'armée belge ». Et jusqu'au bout, on va faire croire ça à la population, y compris en 1945, Hitler a fait croire à la population allemande jusqu'au dernier moment que la guerre n'était pas perdue, mais qu'au contraire, il y avait cette arme nouvelle qui allait les sauver. Il y avait cette arme absolue qui allait leur permettre de changer la donne de la guerre. Les V1 et les V2 avec la bombe atomique. Ah ben c'était en attendant la bombe atomique. Oui. Ben, ils ont bien failli l'avoir. Hein. Oui.
Et aujourd'hui, pour être bien sûr que l'information qui passe au public soit bien dans ce sens-là, les bellicistes ont obtenu que, par exemple, les journalistes ne soient bien encadrés, on dit ça, embarqués maintenant, c'est ça ? Oui, et donc, c'est ce qu'on appelle en américain « embedded ». Embedded. C'est depuis la guerre du Vietnam. Oui, oui, oui. C'est-à-dire qu'ils doivent être... accompagnés. Mais pour les protéger. Ah, bien sûr. Pour ne leur montrer que les choses qu'il faut leur montrer, évidemment. Ouais. Donc, le correspondant de guerre, c'est aujourd'hui tout à fait utopique. Mmh. Ah, et donc, oui, la propagande passe aussi par, voilà, par l'information, par cette information qui est donnée comme ça. Oui. Tout à fait. Et aussi par le soutien qui est très important des artistes et des intellectuels. Ça, c'est le principe. Alors, oui, pour la guerre de 14, ça nous semble très innocent. C'était des peintres qui montraient le sacrifice du soldat ou bien l'ange intervenant en notre faveur, des choses comme ça. Mais au fur et à mesure, ça s'est perfectionné. Aujourd'hui, ce n'est plus un dessinateur ou un artiste qui fait tout seul la propagande. Ce sont des officines. Comme vous pouvez avoir des firmes qui font la publicité de Pepsi-Cola, vous avez des firmes qui sont au service de la propagande d'un État ou d'un parti. Et donc, ceux-là, eh bien, ils doivent montrer que la guerre est unanimement soutenue par la population. Et pour ça, il faut que dans la population, on puisse voir des artistes, des intellectuels. Alors en France, vous avez un beau panorama avec des gens comme BHL, nous, on a BHL, ouais. Qui sont toujours pour toutes les guerres, toutes les interventions. mais vous avez aussi des artistes qui vont soutenir le moral des troupes. Ah oui. Et qui interviennent pour dire d'un ton moral, mais on ne peut pas laisser ces gens tout seuls, nous avons un devoir d'intervention. Et ça donne à la population une image d'unanimité, et puisque tout le monde dit qu'il faut y aller, ben oui, sans doute que c'est ça qu'il faut faire. Mais dans les guerres récentes, la petite Britney Spears, par exemple, a été dansée sur les tanks, hein. Et Bruce Willis a appuyé Bush en Irak. Donc ça, c'est important. Il faut faire croire que il y a unanimité. Et souvenez-vous, il y a quelques mois, quand il y avait un opposant vénézuélien qui voulait prendre le pouvoir, eh bien, comment est-ce qu'il a fait sa propagande ? Mais notamment en faisant venir, en les payant richement, un certain nombre d'artistes dans un méga concert qu'il a organisé à la frontière du Venezuela. Donc on donne aux artistes et aux intellectuels un rôle de, je dirais, de haut-parleur de la propagande. Mmh. Moi, ce qui me gêne un peu dans la façon de voir les choses, c'est évidemment que vous avez complètement raison, hein, sur le fond, c'est-à-dire qu'il y a une complicité entre ces artistes qui accompagnent finalement les politiques dans cette démarche. Et le problème, c'est que je pense que la population, elle est sincère, c'est-à-dire qu'elle, compte tenu du niveau d'information où elle se trouve, eh bien, elle va trouver réconfortant de voir que des artistes accompagnent les politiques dans la démarche guerrière ou ah oui, agressive, etc. C'est ça la finesse, etc. Je dirais, de la propagande. Oui, mais en même temps, comment faire autrement ? De bonne foi, je repense à la Yougoslavie, par exemple. C'est un conflit que j'ai suivi de très près, puisque j'étais sous les bombes à Belgrade. Et il y avait, ici en Belgique, mais il y a dû y avoir la même chose en France, une émission de télévision qui, pour une fois, réunissait les flamands, les francophones, la télévision privée RTL, la télévision officielle RTBF, pour faire de la charité envers les Kosovars. Et donc, il y avait là une mobilisation, les gens étaient
certains qu'avec leur robot, pour les Kosovars, ils allaient pouvoir amener plus de paix en Yougoslavie. Alors, c'est évidemment une grande escroquerie, parce que le Kosovo ne nous appelait pas forcément au secours, et je ne crois pas que le fait que nous soyons allés en Yougoslavie ait fait autre chose que semer beaucoup plus de désordre qu'il n'y en avait. Mais beaucoup d'artistes ont répondu à cet appel parce que c'était des émissions extrêmement populaires. Et donc, il y a un artiste chez nous, qui est Arnaud, qui avait refusé, et il avait dit vous allez récolter combien d'argent ? Allez, disons 2 millions. Mmh. Hein, vous allez récolter 2 millions, ça serait énorme. Eh bien, moi, je propose de lancer cette nuit 4 bombes en moins, et vous aurez 2 millions aussi. Mais ça n'a pas... Un traître encore, encore un traître. On le verra. Encore un traître, ce sera le principe. Eh bien, il a été vraiment attaqué pour cette boutade, qui pourtant était tout à fait juste. Bah, on dépensait des millions et des millions à bombarder la Yougoslavie, ben, qu'on s'arrête de les bombarder un petit peu, on aurait beaucoup d'argent. Mais ce n'est pas possible de passer un tel message quand on est en temps de guerre. Et moi je voudrais quand même aussi qu'on souligne la différence entre l'engagement de propagande, c'est-à-dire qui marche avec à un moment donné, je le distinguerai de l'engagement réel des personnes, parce que un artiste peut aussi être engagé par ailleurs sur une cause ou une autre, qui est guerre ou qui n'y est pas guerre d'ailleurs. Et c'est vrai que c'est le côté artificiel et on y va tous, on se monte tous, on fait des shows, on montre qu'on est à côté de nos soldats. Maintenant, d'ailleurs, il y a notre président qui va encore passer Noël en Afrique auprès des troupes françaises. Mais voilà, il y a une différence entre ce qu'on lit dans votre livre, c'est que les deux camps ont besoin de montrer que la sphère intellectuelle, la sphère artistique est de son côté. Voilà, c'est extrêmement important. Et c'est artificiel. Et moi, ça vient pas des artistes forcément eux-mêmes. Ah bon, à part des électrons comme BHL qui sont vraiment des gens un peu bizarres, mais lui, il a pas besoin, il a même pas besoin d'être embarqué puisque lui est la propagande. Oui, mais il y a beaucoup de petits BHL. Hein. Oui. Il y a beaucoup de petits. Alain, tu voulais intervenir, vas-y. Alain de l'AFPS. Oui, moi, je partage l'essentiel de ce que vous dites, mais je me dis, il y a des situations où tout de même, tirer un signe égal entre les deux camps me gêne un peu. Il y a quelques fois où on a des peuples qui sont agressés. Sont agressés, ils prennent aussi les armes. Alors, on peut être pacifiste, on peut être contre les guerres, mais il y a un moment, j'imagine que tous les résistants français, par exemple, contre les nazis, n'étaient pas forcément bellicistes au départ. Hein, voilà. C'est une remarque préliminaire qu'on fait très clairement dans l'exposition notamment. C'est qu'on n'est pas là pour dire « celui-là avait tort et celui-là avait raison ». Mais c'est de montrer quel est le processus qui est utilisé et qui est utilisé par tout le monde, par ceux qui sont de bonne foi, par ceux qui sont de mauvaise foi, par ceux qui ont raison ou pas, parce que c'est évident qu'il y a des agresseurs et des agressés. Alors, tout récemment, vous avez peut-être vu qu'il y avait une résolution européenne qui veut interdire dans l'espace public les signes du communisme en disant « la Deuxième Guerre mondiale a été déclenchée par le pacte germano-soviétique ». Bon, mais dans l'opération Barbarossa, il y a tout de même un agresseur et un agressé. C'est pas les Soviétiques qui sont allés en Allemagne, c'est bien les Allemands qui ont envahi l'Union soviétique. C'est évident que il y a des vérités en histoire. Les morts au Kosovo, est-ce qu'ils sont 2000 ou 2 millions? C'est pas égal, et c'est plutôt 2000 que 2 millions. Donc, il y a évidemment des faits. C'est plus que ça. Mais ce qui est intéressant à voir, c'est que, en fait,
on utilise toujours les mêmes stratagèmes pour faire adhérer l'opinion publique, que ce soit d'ailleurs à une bonne ou à une mauvaise cause, hein, des deux côtés. Mais je suis tout à fait d'accord avec vous quand vous dites il ne faut pas être pacifiste dans tous les cas. Moi, mon père était résistant, il a été déporté. Je pense qu'il a bien fait de se lever contre le nazisme. Mais au moins qu'on doute avant d'agir. Moi, c'était la phrase finale de mon cours, c'était de dire aux étudiants, doute et agis. Mais il faut d'abord douter. Et pour te répondre, Alain, quelque part aussi, c'est qu'on ne parle pas du tout de la même situation. Entre une guerre, entre deux États, où les deux États vont faire de la propagande de guerre pour justifier et pour canaliser l'énergie, etc. Et une résistance, que ce soit lors de la Seconde Guerre mondiale ou du peuple palestinien ou dans plein de situations où c'est des forces qui ne sont pas organisées en tant qu'État et donc qui n'ont pas de moyens de propagande, qui vont en faire, mais à toute petite mesure. C'est pas du tout la même chose, c'est pas les mêmes choses qui sont en œuvre. C'est mieux en précisant. Mais donc c'est vrai que moi je conclurai presque parce que le temps est vraiment vraiment passé. Il y a un principe qu'on n'a pas évoqué qui était de mettre en que tous ceux qui posaient des questions qui doutaient étaient qualifiés de traîtres. C'est ce qu'on vient de dire. Et un principe aussi qu'on n'a pas eu le temps d'évoquer, c'est que notre cause est sacrée. Oui, aussi toujours. Oui. Donc c'est vrai que nous j'invite les auditeurs à lire le livre Les principes élémentaires de propagande de guerre. C'est vrai qu'on est très frustrés de la rapidité à laquelle est passée l'émission. Et puis j'espère venir dans votre région avec l'exposition. Voilà, avec oui, grand plaisir. Parce qu'il y a une exposition énorme qu'ils ont fait à l'université à l'ULB, avec une trentaine de panneaux. Et c'est vrai que nous, on aimerait bien faire venir Nancy. Organise ça, alors. Et qu'on en discute à Nancy. Oui, d'autant plus qu'il y a toute une partie, qui n'est pas dans le livre, mais qui est aussi sur justement la résistance, tous ceux qui refusent. Résister à la propagande de guerre. Voilà. Donc c'était très intéressant. Bon vent à vous. Merci. Merci, Anne-Morelli. Merci, madame. Donc, Anne-Morelli, historienne, auteure de Principes élémentaires de propagande de guerre qu'on a eu dans cette émission de Paroles de paix. Et ça va vite, on termine. Et à la semaine prochaine. Merci à tous. Merci à Anne encore. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup.